Hey yo 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 les gars, c'est Sway, j'espère que vous allez bien. Déjà un grand merci à vous pour les retours sur la dernière vidéo avec Traki, on a dépassé les 200 likes. Vraiment les potes, vous avez vraiment géré. D'ailleurs avant que la vidéo commence, je tiens à vous informer que je vais commencer les lives sur Twitch. Je vais stream sûrement tous les jours, donc voilà, je vais faire pas mal de choses en live comme des montages. Voilà, pour ceux qui savent pas, d'ailleurs je monte les vidéos à Traki vu que pas mal de mes nouveaux abonnés viennent du coup de la chaîne à Traki. Je vais monter les vidéos à Traki, je vais même monter mes vidéos à moi en live. Je vais pouvoir même jouer avec vous, il y a pas mal de personnes qui me demandent si je peux jouer avec eux. Donc voilà les gars, si vous voulez jouer avec moi ou quoi, ça se passe en live sur Twitch. D'ailleurs ça s'affiche à l'écran. Ma chaîne Twitch est aussi dans la description si vous voulez aller check les gars. Enfin bref les gars, j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas si vous voulez plus de vidéos, anecdotes, etc, lâchez votre plus gros like et j'en referai, c'est promis. Allez, sur ce je vous fais pas plus attendre, c'était Sway, bonne vidéo. Ok les gars, du coup on va lancer de la solo. Donc je vais pouvoir vous raconter ma petite anecdote. Du coup ouais, je vais vous raconter bah, comment j'ai fait pour exploser, on va dire, mon Apex Pro. Et pour qu'il soit là en fait, parce que s'il est là c'est que bah il est pas mort là maintenant. L'anecdote est plutôt drôle et j'ai énormément stressé sur le coup, hein, je vais pas vous cacher. On va lancer en tout cas de la solo, on va essayer de faire un petit top en cours. Enfin bref, c'est pas ça le plus important. En tout cas voilà, si ce genre de petite anecdote, si ce genre de petite vidéo, anecdote ou quoi vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like les gars. Merci d'ailleurs en tout cas pour la dernière vidéo. Je crois qu'on a dépassé les 300 likes. En tout cas c'est énorme. Ok les gars, du coup c'est parti. Bah du coup on va spawn directement. D'ailleurs les gars, je vais vous montrer un petit spawn que je fais beaucoup en ce moment, qui est assez fort, bon, qui a souvent du monde. Là, je vous parie qu'il y a un mec qui va spawn là. Aïe aïe aïe, j'entends. Voilà, voilà, je vous l'avais dit. Il y a tout le temps un mec qui spawn là par contre. Hein. Ok, super. T'as les gars, par contre, j'ai 62 ping, je suis en 4G. Je vais aller là, vous savez quoi. Ok. Ça va être chaud, hein. Ok, let's go. Ok, donc ça va, on se remet bien. Oh là là, regardez, voilà. Du coup, bah c'était il y a quoi, c'était, en plus c'était il y a pas longtemps, c'était il y a, ouais, c'était il y a 5 jours. En gros, moi j'étais du coup chez moi, il y avait pas mes parents. Et je crois qu'ils étaient partis genre faire les courses. Et il y avait genre vraiment presque plus rien à manger chez moi, tu vois. Je décide de me commander Uber Eats, je décide de me commander un McDo quoi. Je reçois mon McDo et tout, tranquille. Petit Big Mac avec Green Icy quoi. Je me mets devant une série et puis je mange quoi. Et du coup, ouais, je finis de manger et tout, je finis de boire. Et j'avais une bouteille d'Icy genre qui était à côté de moi. Oui, ah, je crois qu'il y a un mec. J'entends un mec. Vous savez quoi, on va aller push. Je vais aller push avec lance-grenade. Vu que je suis assez bien, ça va. Ah, il y a un mec en voiture là. Mais il y a deux voitures. Je sais quoi, c'est Fast and Furious les trucs. Oh. Oh là là. Alors lui, mon pote. Ok, let's go. Ok, ça va, on est assez bien. On va mettre un pad, les gars. Il y a un mec là. Est-ce qu'on le fight? Il y a moyen de le prendre par surprise, lui. Ouais. Ah, j'ai la haine, putain, ok. Lui, par contre, lui, comment je vais le push? Ah ouais, il se met dans la maison. Ah ouais, il fait chier quand même, hein. J'ai 2 HP. Du coup, je vous raconte vite fait l'anecdote avant que je meure. J'avais du coup bu tranquille mon ice tea et tout, j'avais mangé, j'avais fini de manger quoi. Et il me restait du coup mon gobelet, là, mon verre du McDo, avec genre des glaçons dedans. Moi en gros j'avais une bouteille d'ice tea, je sais pas si vous aussi vous faites ça, moi je garde toujours genre une bouteille d'ice tea ou de coca ou un truc comme ça à côté de moi au cas où j'ai soif. Sauf que bah vu que je la garde dans mon bureau, dans ma chambre, alors qu'il fait genre 30 degrés dans ma chambre, et ben la bouteille devient tiède quoi. C'était un peu d'ice tea dans ma bouteille, genre gros du coup bah je fous restant d'ice tea dans le gobelet. Là où il y a les glaçons quoi. Du coup voilà, bref, je profite, je bois et tout. À cause de ça, à cause de moi surtout, je renverse tout mon iced tea directement sur mon clavier. Moi de base j'avais pas peur en fait. Je vois le clavier en fait, il commence à clignoter de fou. Genre les touches et tout commencent à clignoter, à faire un peu n'importe quoi. Et c'est là je commence à avoir un peu peur. Mais je me dis ça va, c'est un Apex Pro, c'est à coûter 230 euros, genre tranquille, ça résiste. Et du coup ce que je fais c'est que au lieu, parce que je vois qu'il clignote et tout, je vois qu'il est en PLS le clavier. Et au lieu d'éteindre par exemple le PC ou de le débrancher, et bah moi je regarde et je fais oh merde, what the fuck, pourquoi il clignote, genre vraiment il y avait mon clavier en train de mourir devant moi, genre vraiment à côté en train de clignoter, en train de faire je sais pas quoi, bref, la grosse PLS, il y avait genre de l'ice tea, mais les gars, mais vous rendez même pas compte, hein. Toutes les touches étaient imbibées d'ice tea, genre vraiment il y avait que ça. Ah d'ailleurs, oh regardez ça fight là. J'ai la haine, what the... Genre, il y avait un mec à côté de moi. Bon, on va lancer une petite game, du coup, c'est pas grave, GG. Ok, bon, il y a personne à spawn, parfait, je vais pouvoir, du coup, finir de vous raconter ça. Là, je commence un peu à stresser, mais je me dis, ça a quand même coûté 250 balles, genre...
pour moi, c'est pas grave, je stresse pas et tout. Et je commence en fait à enlever toutes les touches et les nettoyer. Donc en fait, j'éteins mon PC et tout, j'enlève toutes les touches, je les nettoie bien et tout. Pour que les touches, en fait, juste les touches, hein, pas le mécanisme intérieur, ça je m'en battais les couilles. Juste que les touches, en fait, soient pas plein d'ice tea, plein de sucre et colle, quoi. Je nettoie les touches, etc. Et là, par contre, l'intérieur, vraiment le mécanisme et tout, vraiment, voilà, vraiment rien à foutre. Hein, genre, j'avais totale confiance en mon clavier. Et du coup, là, ça me prend environ une demi-heure parce que j'enlève toutes les touches, les nettoie une par une et tout avec genre des cotons-tiges et tout. Et je remets les touches en plus, tout à sa place et tout. J'ai tarpin galéré pour toutes les remettre à sa place. Ouais, gros. Ok, parfait. Du coup, voilà. Je rebranche du coup tranquillement mon clavier et tout. Et j'avais vraiment confiance de fou. Même Traki m'avait appelé et je lui disais, ouais, gros, en vrai, ça va, genre tranquille. En vrai, frère, il est waterproof et tout. Le clavier, il n'y a aucun problème avec, tu vois. Du coup, voilà, je rebranche mon clavier, j'arrive. Je rebranche mon clavier trop serein. Genre, j'étais mais trop serein. Et mon clavier ne s'allume pas. Et là, je commence à me dire, what the fuck, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je rentre mon mot de passe du coup. Et je vois que bah, ça ne marche pas. Je ne peux pas entrer mon mot de passe avec mon clavier. Il y a que quelques touches, genre V, Y, je sais pas, des vieilles touches qui marchent. Alors lui, mon pote, il va se prendre une balle de carabine. Allez hop, je commence vraiment beaucoup à stresser. Là j'étais mais mal de fou, hein. Ce que je fais, c'est que du coup, je prends mon autre clavier, mon Razer Nata qui est genre à côté de moi. Bref, là j'avais de la chance. Et je commence à aller sur le logiciel SteelSeries et tout. Et donc je règle mes touches et tout. Et je vois que le clavier n'est pas connecté. Ça met un message comme quoi le clavier n'est pas branché ou je sais pas quoi. Ah, ok, let's go. Je commence à me mettre en tête que mon clavier ne marche plus, tout simplement. Mon clavier ne fonctionne plus du tout. Il y avait quelques touches qui marchaient vite fait. Il y avait aucune touche qui s'allumait à part genre une touche qui clignotait à mort. Là, je me dis, ouais, c'est chaud. Il est pas waterproof, quoi. Il est surtout, il est pas ice proof. Il est où? Ah non. Ah non. J'ai la haine, non, j'ai la haine, putain, mais je suis bête, j'ai appuyé sur tab. Donc, je vais sur le logiciel, ça me dit que le truc est pas connecté, alors qu'il est connecté, je le débranche, je le rebranche, etc. Je fais n'importe quoi, je rallume mon PC, etc. Et bah, ça ne marche toujours pas. Et alors, ouais, je commence à laisser de côté totalement, à le débrancher. J'envoie un mail du coup à SteelSeries, au service client, et je dis que mon Apex Pro a eu un problème dégâts d'eau, genre en mode j'ai foutu de l'eau sur mon Apex Pro. Et ils me répondent, désolé, mais on prend pas ça en charge. Du coup, là je commence vraiment à avoir le seum, quoi. Ce que je fais, c'est que je commence à démonter mon Apex Pro. Je savais pas du tout comment ça marchait. Et j'ai dévissé du coup tout ce que je pouvais dévisser, tout simplement. Merde, j'ai spawn où? Yes, j'ai spawné un spawn qui ressemble de fou à mon spawn, mais pas au bon spawn. Yes. Du coup voilà, rien à foutre, hein, de finir mon Apex Pro. Je m'en foutais, hein, pour moi il était déjà mort. Je tente le tout pour le tout, je le démonte, je le retourne et tout. Je vois qu'en gros là où il y avait le plastique, il y a plein d'ici. Genre c'est horrible, c'était dégueulasse, hein, vraiment. J'ai pas de photo, sur le coup j'ai préféré aller vite et pas faire Instagrammeuse à prendre des photos. Il y avait de l'ice tea partout, ça collait. Du coup, ce que je fais, je nettoie tout et du coup, je le remonte tranquillement. Et là, je vois, boum, il marche. Du coup, je me dis, yes, ça va, ça marche. Je suis content. Là, j'étais un soulagement. Donc, les touches marchaient. En gros, oui, je crois que, ouais, les touches marchaient et tout. Je l'utilise 5 minutes. Ça commence à me faire des trucs bizarres, à appuyer sur des touches au pif. Oh putain, il y a un mec là. Oh, il m'a cassé mon kill. Alors, toi, mon pote. Non, j'ai la haine. Oh, c'est bon, j'arrête, hein, j'abandonne, hein, les gars, je suis vraiment trop nul. Hein. J'ai 62 ping et tout, c'est impossible, les mecs, ils sont full stuff, laisse tomber. Bref, les gars, c'est pas grave, je finis de vous raconter ça. Et là, donc, en fait, c'est comme si je prenais mon clavier, genre, vous voyez la cam. Genre, je prenais mon clavier, je faisais... Genre comme ça, et je reste appuyé sur les touches. Et ça me faisait n'importe quoi, genre vraiment. Là, je recommence à stresser, vous voyez, genre ascenseur émotionnel de fou, hein. Et du coup, je le démonte. Encore une fois, ça m'a pris quoi, une demi-heure, hein. Je vous passe les détails. J'y croyais absolument plus, hein. Je me suis dit, bon, je l'ai nettoyé, mais what the fuck, hein. Comment j'ai jamais nettoyé un truc de ma vie. Je le rebranche, ça marche. Ça marche vite fait. Enfin, il y avait quelques touches qui étaient un peu plus claires que les autres, qui s'allumaient plus que les autres. Et ok. Et du coup, là, ça marche. Vois, il marche bien et tout. Et what, mais il y a satisfaction. Non, mais les gars, vraiment. Puis voilà, au final. Vaut mieux prendre ça à la rigolade plutôt qu'en pleurer. Et voilà les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit like si vous voulez d'autres vidéos comme ça. D'ailleurs, ma vie est pas ultra intéressante, mais j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 2000 sur la chaîne, mais vous êtes les meilleurs, hein, les gars, vraiment. En un mois et demi, je crois, j'ai gagné genre 750 abos, je crois, un truc de fou, genre vraiment. Hein. Voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, bien joué à vous, les gars. Et les gars, sur ce, c'était Sway. Bye.